Si le Covid avait été 10 fois plus, 100 fois plus mortel, tout le monde aurait accepté la vaccination. 100% des personnes auraient porté sur eux un identifiant numérique et on serait très facilement passé à la monnaie numérique contrôlante. Mais ça n'a pas marché. Le réel n'est pas matériel. C'est-à-dire que les gens sont en train de se rendre compte de plus en plus que la conscience n'est pas le produit du cerveau. La conscience, elle est un peu comme un pilote qui pénètre un habitacle. En fait, les preuves existent déjà, mais pour l'instant, elles ne sont pas reconnues par la science mainstream, mais parce que la science mainstream, elle est en panne. En plus, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que tout le monde a compris que on voulait nous emmener vers un monde complètement inhumain, et que ça a créé un effet boomerang, une volonté, une envie générale d'aller vers un monde beaucoup plus humain, c'est-à-dire que ça va avoir l'effet contraire. Les mesures qui ont été adoptées durant la crise et qui sont en échec aujourd'hui ont pu exister à cause du scientisme. Et donc les scientistes ont perdu leur crédibilité aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs. Et la science va avoir besoin de se refaire, parce qu'il existe une vraie science qui a été trahie. Et aujourd'hui, une personne avertie en vaut deux. Hein. Donc, oui. Les gens ont compris qu'on n'allait pas leur refaire le coup. Je suis un ingénieur physicien, je travaille au CNRS. J'ai fait de l'intelligence artificielle pendant 20 ans. Et ce qui m'a conduit à monter des entreprises. Et puis, en fin de carrière, je me suis remis dans la physique théorique. J'ai écrit 4, bientôt 5 livres sur une théorie de l'espace-temps flexible qui fait un pont entre la physique et la spiritualité. Qu'est-ce qui a fait que j'ai bifurqué dans mon enfance, puisque dès l'âge de 13-14 ans, je me suis rendu compte que ce qui était enseigné à l'école ne me convenait pas. J'avais découvert peut-être un peu trop tôt des livres qui m'ont passionné, de philosophie, de mathématiques. J'ai vécu la charnière entre la transition entre les maths anciennes et les maths modernes. J'étais attaché aux maths anciennes. J'ai mal vécu l'arrivée des maths modernes. J'ai compensé en lisant beaucoup de livres pour savoir, pour comprendre le sens de ce qui était enseigné à l'école. Puis j'ai toujours un peu conservé cette habitude, j'ai appris sur le tas beaucoup de choses. Et puis aussi, dès mon jeune âge, je me suis intéressé à la mécanique quantique, bien sûr, en lien avec la conscience. C'est-à-dire, j'ai été sensibilisé très très tôt, vers l'âge de 16-17 ans, à la question du hasard. Le hasard, est-ce que la conscience influe sur le hasard? Ça, c'est une question que je me posais dès l'âge de 16-17 ans. Donc après j'ai fait ma carrière, j'ai été très créatif durant ma carrière. Cette créativité était tellement importante qu'à un moment donné, je me demandais d'où venait... J'ai même remis en question... J'ai cessé d'attribuer à mon intelligence le fait que j'arrive à relever des défis. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était plus la foi et la joie que j'investissais dans mes travaux qui me faisaient réussir. Et parce qu'il y avait aussi des hasards qui intervenaient dans cette affaire. Donc c'est revenu. Cette histoire du hasard et de la conscience est revenue. Je me suis mis à élaborer dans ma tête une théorie du temps avec... le vague projet de rédiger un livre à l'époque qui expliquerait le mécanisme des synchronicités. Je me souviens m'être longtemps cassé la tête pour essayer de comprendre les synchronicités, les hasards étranges, les coïncidences. Pendant très longtemps, je me suis cassé la tête là-dessus. Et puis est venue ensuite une épreuve de vie. Et c'est suite à ça que, au moment où je me suis libéré de cette épreuve, que j'ai dit, je vais écrire un livre sur ce qui m'avait travaillé toute ma vie, et je vais m'installer en Haute-Provence, etc. Ce livre ayant eu... alors, je vais aussi expérimenter la synchronicité avant de l'écrire. Donc, j'ai élaboré un protocole.
Et ça a tellement bien fonctionné que donc j'ai écrit le livre, et ensuite le livre a tellement bien marché que j'en ai écrit d'autres, et ça m'a vraiment là, mis sur les rails de ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est-à-dire, et j'ai réussi quand même à publier des papiers, des articles scientifiques sur ma théorie dans des grandes revues de physique. Et donc voilà, donc aujourd'hui c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Hein. On peut dire que j'ai élaboré une théorie qui est bien ancrée dans la réalité et qui est scientifiquement solide. Et ça va aller loin. Alors, qu'est-ce qu'une synchronicité ? Alors, une synchronicité, on la définit comme un événement étrange, une coïncidence, on va dire, entre deux événements qui n'ont aucun rapport de causalité, faiblement probable, et qui résonne avec un état de conscience. C'est-à-dire, c'est un peu comme si la réalité semblait répondre à une problématique ou à une demande, ou à une intention, voilà, et c'est souvent d'ailleurs, les coïncidences arrivent souvent, lorsqu'on a une intention d'ailleurs, elles arrivent souvent à plusieurs, successivement, et si on s'en sert, si on les écoute, ça peut nous amener à changer notre vie. C'est-à-dire que, enfin moi j'ai vécu plusieurs fois ce que j'appelle des avalanches de synchronicité, qui m'ont conduit à... de manière imprévue, à réaliser des choses que j'avais pas du tout envisagées au départ. Partager mes synchronicités, une synchronicité peut parfois suffire à écrire un livre, alors c'est difficile de la résumer, surtout que en la résumant, on va l'appauvrir et après ça va être difficile. Vaut mieux donner l'exemple classique de Jung, celui du scarabée d'or, une patiente de Jung qui avait vécu un rêve dans lequel elle avait vu un scarabée, raconte son rêve à Jung et à ce moment-là apparaît ou fait du bruit sur la fenêtre du cabinet un scarabée. Jung va le chercher, le pose sur son bureau devant la patiente et la patiente est tellement impressionnée par le fait qu'elle voit le résultat de son rêve sur le bureau, que ça débloque sa thérapie. En fait, elle avait besoin de... Voilà, c'est-à-dire les synchronicités jouent un rôle pour modifier quelque chose dans la vie de la personne qui les vit. C'est ça l'essentiel du message. C'est pas qu'il y a... Elles contiennent un message parce que la personne s'est préparée à changer quelque chose dans sa vie. Alors que je les interprète comme une influence d'un nouveau futur. Aujourd'hui, je présente les choses d'une manière un petit peu différente, en parlant de vibrations plutôt que parler d'intention. C'est-à-dire que, au départ, la théorie de la double causalité ou flexibilité de l'espace-temps, c'est l'idée que nos intentions provoque dans le futur des effets qui deviennent les futures causes d'effets dans le présent. C'est-à-dire que la causalité fonctionne à double sens. Et ensuite, j'ai parlé d'excitation du vide, en parlant de ce que provoque l'intention dans le futur. L'excitation du vide, pourquoi ? Parce que nos intentions, pourvu qu'elles soient réellement authentiques, hein, qu'elles viennent du soi, viennent exciter un nouveau potentiel qui existe déjà, mais ce potentiel a besoin de recevoir de l'énergie en quelque sorte. Et donc nos intentions excitent de nouveaux potentiels qui ont un effet rétroactif dans le présent, et c'est ça qui engendre les synchronicités. Mais maintenant, je préfère parler de vibrations, parce que c'est véritablement la vibration du cœur, hein, la vibration émotionnelle qui engendre cet effet d'excitation du vide. C'est-à-dire qu'en fait, nous vivons dans un multivers de possibilités, de lignes temporelles, de lignes de temps,
Et il y a une ligne de temps qui est notre futur actuel. Et si rien ne se passe, on va rester perpétuellement sur cette ligne de temps. Mais si on s'ouvre aux possibilités de... Si on s'ouvre à l'étrange, si on s'ouvre à l'imprévisible, si on s'ouvre à l'opportunité, si on s'ouvre au kéros, ce fameux kéros, ce messager de la cause future, on va pouvoir saisir les moments où on peut changer de ligne. Et ça se produit lorsque, effectivement, on a préparé quelque chose, on a vibré en soi, la potentialité d'un nouveau futur, et à ce moment-là, les hasards qui peuvent nous conduire vers sa réalisation voient leur probabilité augmenter. C'est ça qui crée les coïncidences étranges et donc les synchronicités. Oui, alors ça, c'est parce que la conscience n'est pas le produit du cerveau. La conscience, elle est un peu comme un pilote qui pénètre un habitacle. Donc l'habitacle, la conscience, lorsqu'elle est dans le cerveau, lorsqu'elle est prisonnière du cerveau, tout donne l'impression effectivement qu'elle est produite par le cerveau, mais il subsiste une partie de la conscience qui n'est pas souvent inconsciente, mais pas nécessairement. On parle souvent d'état de conscience modifié. En général, c'est parce que justement une partie de la conscience n'est pas tout à fait est restée, on va dire, à l'extérieur. C'est une façon de parler. Et la conscience hors du cerveau, elle est de nature vibratoire. C'est-à-dire qu'en fait, toute la conscience est de nature vibratoire, sauf que lorsqu'elle est prisonnière du cerveau, elle est obligée de fonctionner de manière analytique. C'est le mental qui règne. Mais la partie de notre conscience qui subsiste en dehors du cerveau, c'est la partie, donc, ce que tu disais, c'est la conscience extraneuronale, intuitive, vibratoire. Elle est vibratoire. Pour transporter l'intuition, il faut une vibration. C'est pas, il n'y a pas de temps hors du cerveau. Le temps est fabriqué par le cerveau. Donc il ne peut pas y avoir de fonctionnement linéaire, analytique, avec une logique rationnelle, etc. Tout est en dehors du cerveau, toute connaissance apparaît instantanément, toute connaissance est ressentie. Il n'y a pas de raisonnement. Tout fonctionne par le ressenti. Et ce ressenti, il est à double sens. C'est-à-dire qu'on peut capter des informations, mais on peut aussi émettre des informations. Et c'est de nature vibratoire. C'est-à-dire qu'on a... La richesse d'un ressenti peut se symboliser par un signal multidimensionnel, on va dire, comme un timbre musical, par exemple, ou un orchestre instrumental. Donc on a là un signal, c'est vibratoire, et ça, donc il y a une richesse spectrale, et cette richesse spectrale peut aussi bien être captée qu'être émise. Et lorsqu'on émet cette richesse spectrale qui peut contenir une intention, lorsqu'on l'émet, on va exciter le futur correspondant à cette richesse spectrale. Donc ça va être un peu... On va l'énergétiser par résonance. Et du coup, comme on va augmenter sa potentialité d'être, sa probabilité d'exister, ça va augmenter la probabilité des hasards qui vont nous mener à destination. Et donc c'est ça qui va provoquer les coïncidences étranges. Est-ce que c'est un phénomène qui fonctionne de manière collective aussi ? Alors oui, bonne question. Je pense que ça a fonctionné de manière collective justement durant cette fameuse crise du Covid, puisque c'est le but, c'est le sujet de mon dernier livre, Le Grand Virage de l'Humanité, c'est justement de le décrire, de décrire cette synchronicité collective, si on veut. C'est-à-dire que selon moi, le Covid a agi comme un hasard, bon, qui n'en est pas tout à fait un, on est d'accord, mais quand même, qui a fait bifurquer l'humanité dans une autre direction que celle qu'elle aurait prise sans crise Covid. C'est-à-dire que normalement, on serait allé naturellement vers une société transhumaniste,
puisque rien n'aurait arrêté le train fou de l'Occident vers ce progrès qui nous conduit vers une intelligence artificielle qui au départ nous apporte de grands services, mais qui ensuite devient peu à peu contrôlante. Et ce qui s'est passé avec la crise Covid, c'est que les applications négatives de l'intelligence artificielle sont apparues avant les applications positives, et donc ça nous a envoyé un signal d'avertissement, attention. Donc on a su trop tôt, suffisamment tôt, pas trop tôt, au contraire, juste à temps, le danger que représentait l'intelligence artificielle avec la monnaie contrôlante qui allait suivre. Parce que si, supposons qu'il n'y ait pas eu de crise Covid, serait apparu le grand marché des objets connectés qui d'ailleurs avait commencé à apparaître et qui peinait à s'expanser, mais normalement les applications positives de l'IA, on aurait dû les vivre actuellement. C'est-à-dire, vous portez sur vous un identifiant numérique, vous le portez par choix, hein, vous le portez librement un identifiant numérique pour que, puisqu'il y a le cloud partout maintenant, en ville, chez vous, etc., grâce à la 4G, à la 5G, etc., il est très facile de développer des intelligences artificielles qui deviennent des assistants personnels. Même pas besoin d'avoir de mobile. Le simple fait que vous portiez sur vous un identifiant numérique fait que ça fait fonctionner des IA partout où il y a le cloud, et pour peu que vous ayez payé un service qui vous rappelle tout ce dont vous pouvez avoir besoin en fonction de l'endroit où vous êtes, ça aurait supplanter même le GPS, ça aurait apporté des services dix fois plus intéressants que le GPS. On serait tombé dans ce piège et on serait naturellement, c'est qu'il n'est pas un piège, hein. Le piège c'est la suite, c'est-à-dire qu'on aurait fini par payer avec. Et du coup, on serait tombé dans le piège de la monnaie numérique contrôlante, qui est actuellement le projet du Great Reset. Mais le Great Reset aujourd'hui, il est un peu remis en question par la crise du Covid, du fait que, en fait, le projet du Forum économique mondial, qui était de profiter du Covid pour nous emmener vers une grande réinitialisation financière, bah, ce projet, il a du plomb dans l'aile. Parce que les mesures ont eu l'effet inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas en nous obligeant apporter une identité numérique effectivement, si le Covid avait été 10 fois plus, 10, 100 fois plus mortel, tout le monde aurait accepté la vaccination, 100% des personnes auraient porté sur eux un identifiant numérique et on serait très facilement passé à la monnaie numérique contrôlante. Mais ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, une personne avertie en vaut deux, hein. Donc oui. Les gens ont compris qu'on n'allait pas leur refaire le coup. Lorsqu'il y a une synchronicité au niveau individuel, pour les grands changements dans la vie, hein, c'est-à-dire ça se présente tout d'abord sous la forme d'une coïncidence, souvent même beaucoup plus, plusieurs coïncidences étranges qui vous conduisent à prendre une grande décision. Ça peut être acheter une nouvelle maison, rencontrer un nouveau partenaire, un nouveau job, etc. Et quand c'est imprévu, quand c'est vraiment pas du tout calculé, c'est suivi par des événements un peu irrationnels qui viennent un peu contrecarrer le processus, loi de l'emmerdement maximum, etc. Enfin, c'est-à-dire que au départ, c'est logique, hein, vous avez un certain nombre de coïncidences qui finalement vous font changer de rail, de destinée, parce que vous avez pris la décision décision imprévue de changer de vie, et vous avez ensuite la résistance d'un ancien futur qui vient provoquer des défaillances de manière irrationnelle, comme pour vous dissuader de, mais en fait, comme c'est irrationnel, vous allez quand même rester sur ce nouveau. Sur cette nouvelle destinée. Et ce qui s'est produit au niveau collectif avec le Covid, c'est ça. C'est-à-dire que la grande décision
de l'humanité, si on peut dire, enfin, c'est le confinement. Mais ça a été précédé d'une série de coïncidences qui ont fait d'ailleurs crier aux théories du complot, sans lesquelles jamais la décision du confinement n'aurait été prise. Il y a eu l'effondrement financier de septembre 2019 aux États-Unis, il y a eu ce fameux event 201 d'octobre 2019, juste un mois avant l'apparition du Covid, alors que normalement ça aurait dû apparaître juste après, enfin, l'interdiction des médicaments qui peuvent, normalement, ça aurait dû apparaître juste avant, enfin, il y a eu tout un tas de coïncidences qui ont conduit à de coïncidences qui n'en sont pas tout à fait, hein, bien sûr. On peut attribuer ça à un complot, mais dans ce cas-là, ce serait un complot raté, hein. Bon, donc c'est discutable. Et donc, voilà, il y a eu cette série de coïncidences, et puis la décision du confinement, et ensuite, comme si effectivement l'humanité avait changé de direction, comme si le futur de l'humanité avait changé, vous avez un ancien futur transhumaniste qui est venu provoquer un tas de décisions complètement irrationnelles, comme pour nous emmener de force vers lui, et on voit bien que c'est raté. Aujourd'hui, on en a la démonstration, puisque les mesures ont été complètement abandonnées, y compris la vaccination, qui d'ailleurs a des effets délétères. Et donc, j'interprète la crise Covid comme un grand changement positif dans le futur, dont on commence à voir un peu les effets, mais bien sûr, ça va prendre du temps. Et tout le monde ne va pas transiter à la même vitesse vers ce nouveau futur. Mais bon, il y a un processus irréversible qui s'est produit et qui se traduit d'ailleurs aujourd'hui par le fait que l'humanité a subi une scission entre deux blocs, la guerre en Ukraine, etc. C'est-à-dire qu'en fait, à force de prendre du fait que les mesures prises par l'Occident se sont avérées complètement improductives, l'Occident a perdu sa crédibilité. Et au lieu que les grands pays aillent tous ensemble, hein, Russie et Chine y compris, vers une grande réinitialisation qui aurait créé une monnaie numérique mondiale avec un panier de monnaies. Toutes les monnaies auraient été respectées, mais on serait tous allés vers une monnaie numérique mondiale. Bien, comme l'Occident a perdu sa crédibilité à travers cette grande réinitialisation qui n'est plus possible par le moyen de l'identité numérique, puisque tout ceci a été décrédibilisé, je pense, enfin moi j'ai tendance à attribuer cette scission à cet échec. Et donc, je vois mal comment on pourrait revenir en arrière. Et donc, il faut prendre positivement ce qui arrive, y compris la guerre en Ukraine, dont on voit bien que elle correspond à l'effondrement du dollar, etc. Je ne vais pas dire à moi tout seul, mais bon, je veux dire, il y a 10% au moins de... les humains de cette planète, en parlant que de l'Occident, qui ont compris ce qui se passait et à qui on ne va jamais pouvoir, on ne peut pas revenir en arrière. Ou alors il faudrait nous mettre tous en prison, quoi. Non, c'est juste pas envisageable. Et au contraire, les gens ont envie de revenir. En plus, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que tout le monde a compris que on voulait nous emmener vers un monde complètement inhumain. Et que ça a créé un effet boomerang, une volonté, une envie générale d'aller vers un monde beaucoup plus humain. C'est-à-dire que ça va avoir l'effet contraire. Idem pour les technologies de la santé, c'est-à-dire qu'on va aller vers une médecine holistique. Il va y avoir un boomerang vers la médecine holistique, on le voit, il a déjà commencé. Et donc il faut se réjouir. Enfin, on ne va pas se réjouir trop vite par rapport à... Enfin, moi, je suis très optimiste. Il y a tout un tas de signes qui montrent que... de signes indicateurs qui montrent qu'on est sur la bonne voie aujourd'hui. Bien entendu, il faut attendre que... Enfin, attendre, il n'y a pas à attendre, hein, pour changer de vie. On n'a pas besoin d'attendre. On peut conserver un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau. Mais il ne faut pas compter sur les...
Enfin, je veux dire, le système occidental tel qu'il est construit, en plus sur de l'argent qui est issu... enfin, on sait que... Comment est arrivé le... On sait que cet effondrement financier, il prend racine en 2008 et qu'il n'a jamais été résolu. Ça fait 15 ans que ça dure. Et donc, ça a créé un tas de faux métiers, ça a créé une société de consommation qui n'a plus de sens aujourd'hui. Pour aller vers l'humain, on va moins consommer. On va se rendre compte que finalement, le sens de la vie réside plus dans le fait de réapprendre le vivre ensemble que de continuer à consommer, d'avoir des jobs avec de très bons salaires. Tout ça, ça n'a plus beaucoup de sens. Moi, ce que je vois, c'est que parallèlement à ça, et d'ailleurs c'est comme ça que j'explique le changement dans le futur, il y a une prise de conscience du fait que nous ne vivons pas le réel n'est pas matériel. C'est-à-dire que les gens sont en train de se rendre compte de plus en plus que la conscience n'est pas le produit du cerveau. Il y a énormément de sources d'informations différentes qui nous inclinent à le penser. Il y a les expériences de mort imminente, mais il y a toutes les perceptions extrasensorielles, les visions du futur, les synchronicités, tout un tas de phénomènes qui sont aujourd'hui étudiés scientifiquement et dont la réalité est parfaitement démontrée. Simplement, les preuves ne sont pas acceptées parce qu'on vit dans un système qui est matérialiste et qui n'accepte pas la nouveauté. Mais pour l'instant, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ce scientisme, parce que ça a un nom, hein, ce matérialisme a pour nom le scientisme, ce scientisme a perdu sa crédibilité parce qu'on a vu que les mesures qui ont été adoptées durant la crise et qui sont en échec aujourd'hui ont pu exister à cause du scientisme. Et donc les scientistes ont perdu leur crédibilité aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs, on le voit. Et donc le scientisme, et la science va avoir besoin de se refaire, parce qu'il existe une vraie science qui a été trahie, qui a été compromise par le fait que les scientifiques, on les a empêchés de s'exprimer. Et on a instrumentalisé la science, on a voulu faire croire au grand public que la science avait les réponses, ce qui était faux. Et donc il va y avoir un effet boomerang là aussi. Et donc pour que la science ne perde pas sa crédibilité, il va bien falloir que la science se différencie entre le scientisme d'un côté, qui est ce dont nous avons été victimes durant cette crise, et la vraie science qui va donc petit à petit retrouver, qui va devoir trouver une nouvelle voie. Pour retrouver toute sa crédibilité, il va falloir cette fois-ci tenir compte de décennies de progrès qui nous amènent à considérer que la conscience n'est pas le produit du cerveau et prendre en compte les résultats de la physique moderne qui nous incite à le penser, mais alors très fortement. Alors, oulala, il y a beaucoup de choses là. Les égrégores, oui, effectivement, tu fais bien de dire que, effectivement, les égrégores, d'abord, c'est un phénomène collectif, hein, c'est-à-dire c'est le fait de... C'est une pensée collective qui crée un agrégat vibratoire, hein, et qui peut être exploité, effectivement, pour nous emmener dans une direction qui est manipulée, effectivement. Et donc il y a eu un égrégore collectif, il y a eu plusieurs égrégores collectifs qui ont été créés durant la crise Covid, de manière à nous faire croire à un tas de choses qui étaient en réalité fausses. Donc oui, alors est-ce que ça a été fait à dessein? Moi je ne sais pas, peut-être, oui c'est probable, hein. Je ne crie pas au complotisme, hein. Moi je respecte... Il y a probablement, oui effectivement... une volonté, peut-être pas des gouvernements, mais de ceux à qui on a
on a sous-traité la gestion de la crise. Peut-être les agences ou le service secret, pourquoi pas. En tout cas, il y a probablement eu effectivement une volonté de manipuler l'opinion publique pour aller vers le 100%, le 100% vaccinal, puisque ça, c'était l'obsession. Ce qui était surprenant dès le mois d'avril 2020, alors qu'il n'y avait pas de vaccin et qu'il fallait attendre au moins un an, et en théorie même 10 ans pour avoir un bon vaccin, ce qui était très surprenant, c'est que le mythe du 100% vaccinal a commencé à s'exprimer à ce moment-là, et quand on a demandé aux gens d'attendre, et en même temps on leur a dit ne prenez surtout pas de médicaments, ça n'existe pas. Donc ça c'était très surprenant. Et donc là, pour arriver à imposer une politique aussi, il faut le dire, irrationnelle, il a fallu effectivement y aller à grand renfort de moyens de conviction complètement artificiels. Et donc là, on a fabriqué un égrégore collectif. Un égrégore de peur. Un égrégore de peur, bien sûr, dont ont du mal à se débarrasser encore aujourd'hui les personnes qui en ont été victimes. Et est-ce que pour autant c'est une bonne façon de modifier le futur de l'humanité? Ça aurait été une bonne façon si on était des animaux. D'accord? Alors il y a peut-être... C'est peut-être aussi une bonne façon si on était une... Ça aurait été une bonne façon si on était une humanité complètement endormie. Voilà, si la culture avait disparu, si l'intelligence, la vraie, avait disparu. Mais bon, je pense que... Moi, je tout ça me paraissant complètement... Enfin, si on a été sidéré, c'est pas pour rien. Hein, c'est parce qu'on n'était pas prêt à vivre ça. Donc je pense que... Il y a eu une réaction de panique de la part des autorités qui ont décidé ça. Et je pense que c'est parce qu'elles ont fait une grave erreur, c'est-à-dire qu'en fait, ce modèle qui a été envisagé durant l'event 201, cette gestion de crise, elle reposait sur l'idée de Ferguson, d'un certain Ferguson, qui était qu'il y aurait 10 à 100 fois plus de morts. Et donc, voilà, le char d'assaut visant à provoquer cet égrégore, il a démarré dès le mois de janvier, février, et ils n'ont pas pu l'arrêter. C'est-à-dire que à un moment donné, on s'est aperçu que finalement, le virus n'était pas aussi dangereux que prévu. Et ils ont dû se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on arrête? Et ils ne pouvaient pas arrêter parce que le char était parti. Et plutôt que de se dédire et de dire, ben non, on s'est trompé, finalement, le virus, il n'est pas... Ils ont décidé, bon, ben, on tente le tout pour le tout parce que la population, on va réussir à... Donc, ils ont tenté le tout pour le tout. Et là, sont apparues, les erreurs systématiques. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait, s'il y avait eu 10 à 100 fois plus de morts, ça aurait été plus facile effectivement de convaincre les gens qu'il n'y avait pas de médication possible, ça aurait été, tout serait passé, je pense. Hein? Si 100% des personnes sont vaccinées, on n'a pas d'échantillon de la population non vaccinée pour voir que c'est le vaccin qui crée le problème. Enfin, des choses comme ça. Et donc, cette politique visant à faire croire au monde entier qu'il y a un virus qui est réellement mortel, bon, ben, ils ont décidé, ils ont, voilà, enfin, bon, ben, c'est raté, quoi. Donc, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que ça discrédite totalement, ça montre à la face du monde entier. Bon, vous avez vu que les Russes et les BRICS ne marchent plus dans la combine. Ça montre à la face du monde entier qu'il y avait bel et bien une volonté de conduire l'humanité vers un objectif qui n'est pas absolument pas louable, qui est même criminel, hein, qui est de se servir de la vaccination pour que
pour amener les gens à porter sur eux en permanence une identité numérique qui va servir de moyen de paiement et donc de monnaie contrôlante. Parce que pour moi, ce qui m'est apparu clairement au mois d'avril 2000, alors je répète, hein, parce que ça c'est l'essence même de mon discours et de mon dernier livre, ça m'est apparu clairement au mois d'avril 2020, j'en ai eu la confirmation au mois d'août 2020, ce qui m'a décidé à écrire ce livre. Et donc c'est le fait que le 100%, le mythe du 100% vaccinal avait pour unique, et je dis bien unique, hein, il n'y en a pas d'autre, unique objectif, à moins d'envisager qu'il y ait une véritable volonté de tuer les gens, bon, ça je l'écarte, mais unique objectif de faire en sorte que 100% de la population porte un identifiant numérique qui servirait ensuite de moyen de paiement. Parce que si 5% de la population avait le droit de continuer à payer sans ce moyen, on ne pouvait pas imposer la monnaie contrôlante, puisque toute autre monnaie alternative aurait été. Voilà, il fallait obliger les gens. Et on n'y va plus. Bon, on n'y va plus, on ne pourra plus y aller. Bien sûr, on peut se poser la question de l'identité numérique. On va quand même avoir une identité numérique. On aura une identité numérique parce que c'est quelque chose qui est utile lorsqu'on veut payer sur Internet, lorsqu'on veut. C'est pratique. Même de porter sur soi en poche cet identifiant numérique, c'est pratique. Ça va. On va l'avoir, mais on va le choisir librement. Parce qu'entre-temps, vont remonter à la surface les motivations de nous obliger à la porter. Et donc, il y aura d'immenses précautions qui seront prises pour qu'on ne soit surtout pas obligé de porter cette identité numérique, puisque tout le monde va finir par comprendre que le but initial était de nous, finalement, de nous transformer en esclaves pour imposer une nouvelle monnaie avec les mêmes acteurs maîtrisant la monnaie qui s'est effondrée. C'est-à-dire on prend les mêmes et on recommence. Non, non, on va jamais accepter que le système financier prenne les mêmes pour recommencer un nouveau système. On est dans un chaos transitoire qui correspond à un changement complet de système financier, avec pas du tout les mêmes acteurs. C'est la raison pour laquelle je me suis mis à la monnaie libre. Bon, il y a d'autres possibilités. Il y a l'économie du don, il y a toutes sortes de. Il y a les monnaies locales, il y a le projet Synapse, dont je co-développe l'outil Synapse 6, le chiffre NAPS.net, qui est un outil de mise en lien. Un outil de mise en lien visant à aider les gens à se mettre en autonomie, en résilience et en solidarité, essentiellement au niveau local, mais aussi qui vise aussi à introduire petit à petit de nouveaux moyens d'échange basés sur la monnaie libre ou d'autres ou sur l'économie du don ou toute autre alternative. Parce que pour moi, c'était essentiel d'agir, c'est-à-dire de joindre la pratique à la théorie. C'est-à-dire que bon, j'écris un livre sur où je parle du nouveau monde. Bon, ben, si je ne suis pas moi-même un acteur du nouveau monde, je suis pas crédible. Donc je tiens à montrer qu'en plus c'est absolument fabuleux. En plus c'est une réaction absolument saine. Enfin, après tout ce qu'on a vécu, on ne pouvait pas rester dans la sidération à attendre que je ne sais qui, je ne sais quelle politique nous propose un nouveau modèle. Maintenant c'est terminé. On ne peut plus compter sur l'échelon politique pour améliorer nos vies, ce n'est plus possible, ça n'est juste plus possible. Les États sont en train de disparaître. L'État français a disparu. On n'est plus du tout dans un gouvernement d'État, puisque l'Europe essaye d'imposer. Donc voilà, donc il s'agit de se reprendre en main, il s'agit de réapprendre le vivre ensemble, réapprendre tout réapprendre. Il faut tout réinventer. Il faut réinventer le système de santé, il faut réinventer le système éducatif, il faut réinventer tout, il faut réinventer
Je vois pas d'exception. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on va devenir des amis, pas du tout, puisque la technologie, au contraire, sera utilisée pour nous aider à fabriquer un nouveau monde. Mais simplement, ça ne sera plus. Bon, il subsistera certainement certaines multinationales, je n'en doute pas, mais les multinationales vont devoir faire preuve d'une sacrée dose d'éthique pour être acceptées comme. Voilà, je suppose que par exemple, tout ce qui est réseau électrique. Bien sûr, on va conserver un réseau électrique, etc., bien qu'on va se mettre en autonomie, y compris à ce niveau-là, hein, parce que l'électricité devient très chère. Mais enfin bon, moi, c'est pas ma compétence. Hein, moi, j'ai simplement voulu montrer que, en tout cas, dans le domaine de la monnaie, il y a la possibilité d'échanger autrement. Bah, je fais la promotion de la monnaie libre, c'est-à-dire de la June. Hein, qui me semble être la meilleure alternative aujourd'hui, dans la mesure où c'est une monnaie numérique qui est fiabilisée par une blockchain. Alors bien sûr c'est numérique, certains vont dire non, le numérique on n'en veut pas, mais je répète que la technologie n'est pas négative. La technologie, elle peut être utilisée de manière extrêmement positive, tout comme elle peut être utilisée de manière négative. Et j'entends faire la démonstration du fait qu'on peut développer une technologie positive et que le numérique peut être exploité à bon escient. Donc c'est le cas de la June, mais il y a d'autres possibilités. J'ai l'intention d'expérimenter l'économie du don au travers de Synapse prochainement. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, on peut faire une économie du don adossée à la monnaie libre. Donc c'est ça exactement que je pense faire. Mais il y a 100 000 autres choses à faire. Et puis de toute façon, il ne faut jamais oublier que c'est l'intention que nous avons de vivre ensemble qui va créer la magie de ce vivre ensemble. C'est-à-dire qu'en même temps que nous agissons dans le présent, notre futur agit. C'est-à-dire qu'à la fois, l'ancien futur vers lequel les décideurs occidentaux voulaient nous emmener ne marche pas, mais donc on va automatiquement vers un effondrement qui ne va pas pouvoir être géré aussi facilement que par un Great Reset. Donc on va vers un effondrement lent. Et c'est une chance parce que tout ce temps durant lequel on assiste à l'effondrement va petit à petit convaincre les gens à changer de vie, pour aller vers une vie qui dépend beaucoup moins d'un État corrompu, de multinationales corrompues, d'un système de santé corrompu, puisqu'on va perdre la confiance dans notre système de santé, et ce sera positif. On va perdre la confiance dans notre système éducatif, et ce sera positif, puisqu'à l'école, on n'apprend plus rien de valable. D'accord ? J'ai l'habitude d'en parler. On vit dans un système matérialiste qui est fondé sur des idées fausses. Toutes nos idées sur l'évolution sont fausses. Toutes nos idées sur l'évolution sont fausses. Toutes nos idées sur le corps humain sont fausses. Donc voilà, on va vers la prise de conscience que c'est la conscience qui est le principal vecteur. La conscience au sens dissocié du cerveau, qui est le principal vecteur de l'évolution à tous les niveaux, de l'évolution des espèces, de l'évolution de la santé de notre organisme, etc., et même de la cosmologie. On va réinventer, je parlais tout à l'heure de la médecine holistique, mais il y a aussi le système, tout est à revoir dans notre système éducatif. On va conserver ce qui marche, hein, on va conserver les outils informatiques. On va conserver les progrès techniques, on va conserver les progrès en matière énergétique. Donc tout ne va pas s'effondrer comme ça. La technologie reste utile. Il ne faut pas avoir peur de ce grand changement. Je pense qu'au contraire, il faut le prendre avec passion. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de s'installer à la campagne que de s'installer à Paris, il me semble. Hein. Donc voilà, c'est. Dépendre d'un employeur qui lui-même dépend d'une multinationale, etc., tout ça, tout ce système pyramidal
dans lequel on voudrait absolument s'insérer pour réussir sa vie, tout ça, c'est aujourd'hui, c'est ça marche plus, quoi. Ça ne peut plus fonctionner. La vérité va remonter. La vérité, aujourd'hui, elle est en bas, hein, d'accord ? Les gens ont compris, c'est le peuple qui est le possesseur de ce qui est vrai aujourd'hui. Et tout ça va remonter. Tout ça va remonter. Vous savez bien que tout le secteur de la... Enfin, je veux dire, les entreprises, elles fonctionnent parce que les gens achètent. Si les gens n'achètent plus, ça ne marchera plus. Or, les gens vont cesser d'acheter les mauvais produits. Il va y avoir une sensibilisation de plus en plus importante du public à la qualité de vie. Bon, et ce n'est pas grave s'il y a plus de 50% de gens qui continuent de manger n'importe quoi, de vivre n'importe comment. Bon, ça, on ne peut pas l'empêcher. Mais il va y avoir, mais on va bien voir qu'il y aura deux humanités. Il y a une humanité qui va aller vers la qualité de vie et une humanité qui va avoir peur et qui va vouloir continuer de dépendre de l'ancien système. Mais on va certainement pas assister à... Ça va aller dans un seul sens. Les deux mondes vont coexister. Moi, je conseille aux personnes qui veulent changer de vie de conserver un pied dans l'ancien système pour que la transition ne soit pas trop brutale. On a besoin... l'ancien système va servir à nourrir le nouveau système. Il ne s'agit pas de couper les ponts complètement. Quand vous faites pousser de nouvelles graines, y a encore des mauvaises herbes autour. Mais les nouvelles graines, elles poussent. Il ne faut pas avoir peur de la continuation de l'ancien système alors qu'on est en train de construire le nouveau. Au contraire, le nouveau va se nourrir de l'ancien. La monnaie qu'on utilise, l'euro, le dollar, etc., est fondée sur trois principes prédateurs. Le premier principe, c'est l'argent dette. C'est prédateur parce que tout le monde n'a pas accès au crédit. Très peu de gens ont accès au crédit illimité. Relativement peu de gens ont accès au crédit qu'il faut négocier avec un banquier. Et puis beaucoup de gens n'ont aucun accès au crédit. Donc déjà, il y a une injustice. Ensuite, il y a une injustice au niveau du fait que c'est une monnaie spéculation, c'est-à-dire que la spéculation n'est pas négative en soi, mais le fait que certains aient accès à la spéculation par le fait qu'elles peuvent faire appel aux services de traders, ou elles peuvent faire appel à des services informatiques qui vont permettre de gagner automatiquement grâce aux bons algorithmes, c'est pas correct, hein, parce que ça aboutit à des dérives. On voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, l'alimentaire même, hein, fait l'objet de spéculations qui sont absolument dégoûtantes, quoi. Quand on voit qu'un Bill Gates rachète des terres en masse, il y a un problème, hein. Donc on a un énorme problème avec la spéculation qui est du fait qu'elle est fondamentalement injuste, inégalitaire. Et on a ce troisième principe prédateur qui est la planche à billets, le quantitative easing ou ce genre de choses. C'est-à-dire que depuis 2008, pour éviter aux banques de s'effondrer, hein, les fameuses banques « too big to fail », eh bien, on injecte des quantités astronomiques d'argent, de fausses monnaies, hein, faut l'appeler par son nom, dans l'économie, ce qui crée un endettement absolument considérable qui retombe sur tout un chacun. Et ça ne pouvait pas tenir, et c'est ce qui a conduit au taux négatif. Et ça ne pouvait pas durer longtemps pour les banques, et voilà, et donc d'où la nécessité d'aboutir à un Great Reset, qui ne va pas fonctionner. Et donc la solution, c'est de retrouver son autonomie,
de retrouver son autonomie en matière d'échange. On va continuer d'utiliser la monnaie qu'on pourra pour une partie de nos échanges pour lesquels on ne peut pas faire autrement, mais il va être important d'essayer de devenir autonome en matière alimentaire, en matière de santé, en matière de... si on arrive à... Pour 50% de notre consommation, ça, c'est jouable. Il est jouable, à mon avis, de devenir autonome pour 50% de notre consommation. Ben déjà, ce sera un succès. Alors là, il y a un écueil. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'est pas sorti du conditionnement, le pouvoir de l'intention n'existe pas. Hein. Donc, si... Ça fait appel à un peu à certains modèles dont je ne vais pas parler. Mais l'intention pour être créatrice, il faut que ce soit l'intention de l'âme, l'intention profonde, l'intention du soi. D'accord ? Bon, je ne vais pas développer le concept d'âme, d'esprit, de soi, qui sont différentes facettes de la même chose et qui ont définition physique. On peut leur trouver une définition physique, hein, rationnelle. Donc l'intention, c'est quelque chose qui doit être ressenti par le cœur avec la signature de la joie. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on trouve le sens de son existence. On a l'intention de devenir quelqu'un qui va faire telle chose si on a ressenti la joie d'exister lorsqu'on a fait émerger cette intention, si on a ressenti la joie d'exister pour cette raison-là, parce que ça... ça nous met en joie de penser qu'on va faire ceci, et bien là, on a affaire à une intention authentique qui est capable de faire des miracles dans le futur pour peu qu'on continue de la vibrer et d'y croire, même si ça paraît impossible. Surtout même si ça paraît impossible. Donc là, il s'agit de développer la confiance pour acquérir la foi qui va permettre de faire fonctionner le moteur de l'intention, parce que sans la foi, le moteur de l'intention ne peut pas fonctionner. On a là un véritable moteur qui est véritablement la mise en route d'un circuit pour la conscience, d'un circuit créatif qui va véritablement fabriquer le futur de nos rêves par une magie de la vie qui fait appel à ce mécanisme dans lequel le futur se crée avant qu'on y soit. Et pourquoi le futur se crée avant qu'on y soit ? Parce que la foi qu'on a de le réaliser, elle est tellement puissante qu'elle le nourrit de cette énergie. Alors je pense que oui. Enfin, ce qu'il faut préciser, c'est que dans l'humanité, il y a des personnes qui ont un libre arbitre et d'autres qui n'ont pas de libre arbitre. Le libre arbitre n'est pas donné à tout le monde, c'est quelque chose qui se travaille, qui se conquiert, qui se gagne, qui se... Lorsqu'on est prisonnier du conditionnement, on n'a pas de libre arbitre. Et si on est prisonnier du conditionnement, y compris si on est prisonnier d'un conditionnement qui est issu d'une manipulation, on ne va rien créer de nouveau. D'accord ? On va vers l'ancien, parce que le conditionnement qui nous... la volonté qui nous conditionne est elle-même nécessairement conditionnée. Hein, elle n'est pas nouvelle. Parce que c'est pas... On ne crée pas de cette manière-là, hein, d'accord ? On ne crée pas en essayant de conditionner les autres. Puisque, comme je rappelle, qu'il faut aller puiser une intention authentique, d'accord ? Et c'est pas... je ne connais pas de collectif qui peut faire ça. C'est au niveau individuel que ça se présente. Il n'y a pas de libre arbitre collectif. Le libre arbitre, il est individuel, sinon il n'existe pas. Donc, cette majorité conditionnée ne va rien créer de nouveau. Donc il n'y aura pas de concurrence entre les personnes qui créent du nouveau et les personnes qui créent autre chose de nouveau. Il n'y aura pas d'autre nouveauté que celle qui est créée par les personnes qui ont un véritable libre arbitre, qu'elles sont allées puiser au fond de leur cœur.
On peut faire appel aux trois temps des Grecs pour comprendre ce mécanisme, c'est-à-dire que vous avez le temps chronos qui nous conduit sur la ligne du conditionnement, où rien ne change. Vous avez le temps kéros qui est le temps de l'opportunité, de la synchronicité et aussi de l'intuition qui nous amène à changer de vie, de ligne de temps, pour aller vers aïon. Alors aïon, on ne maîtrise pas aïon. Aïon, c'est l'intention de notre soi. Aïon, c'est l'intention de notre âme. L'âme et l'esprit, c'est deux faces de la même pièce. L'esprit, c'est la source de la conscience qui définit notre destination, le sens de notre existence. L'âme, c'est la source de la forme, c'est par quels moyens nous allons œuvrer dans la matière, d'accord ? Quel chemin nous allons suivre. Et comme tout ça s'inscrit sur plusieurs vies, le soi, c'est à la fois c'est la réunion de l'âme et de l'esprit dans une seule vie qui est la nôtre. Donc c'est le soi qui contient l'essence de notre existence. Ce soi a lui-même une intention qui s'exprime par le temps aïon, qui est de nous faire aller vers un nouveau cycle. C'est-à-dire, nous étions dans un ancien cycle qui était celui de notre existence avant de nous y incarner, et le but de notre incarnation est d'aller vers de faire aller notre existence vers un nouveau cycle, voulu par notre âme, voulu par notre soi, par l'intermédiaire du temps aïon, c'est-à-dire qu'il y a deux entités là, et les deux temps additionnels, c'est les deux temps dans lesquels agissent les deux entités, le moi et le soi. D'accord ? Et du coup, on peut arriver à créer par le biais que, donc voilà, on entretient par la foi aïon, et qui énergétise les parcours qui nous reste à détecter, ce qui s'appelle le passage du kéros, pour aller petit à petit vers ce nouveau cycle. On pourrait presque en faire une simulation de ce mécanisme. Une simulation informatique, un modèle, là on a quelque chose qui est cohérent d'un point de vue cybernétique. Oui, j'ai commencé à introduire dans Synapse des expériences de la synchronicité par le biais d'images et de légendes choisies au hasard en faisant appel à un tirage aléatoire quantique, des nombres aléatoires quantiques. Il existe aujourd'hui des serveurs qui permettent de récupérer en temps réel des nombres aléatoires quantiques, d'accord ? C'est-à-dire dont on est certain qu'ils ne sont pas biaisés par un quelconque déterminisme et qui peuvent donc se rendre sensibles au futur. Et j'ai déjà élaboré ce genre d'expérience dans le passé, à plusieurs reprises, et fait des statistiques, et ces expériences ont donné des résultats positifs, ce qui m'encourage à les renouveler à l'occasion de Synapse, qui est un outil de mise en lien, donc on va pouvoir disposer d'un grand échantillon de population, et j'ambitionne de renouveler ce type d'expérience pour aboutir à la démonstration de la réalité de la synchronicité. Il est déjà assez puissant, oui, puisqu'on a déjà 3000 membres. Voilà, mais bon, j'y vais prudemment, on a le temps. Pour que tout le monde joue le jeu de mettre une vraie photo, un vrai profil. Oui, ça c'est pour la mise en lien, c'est important de mettre une vraie photo, un vrai profil, bien sûr. Donc j'encourage les auditeurs à s'y inscrire et à patienter un peu, les nouveautés vont arriver petit à petit. Alors en fait, c'est déjà prouvé. Moi, je me le suis déjà prouvé à moi-même. Il y a des expériences scientifiques qui ont déjà été faites depuis belle lurette, pas exactement sur ce modèle-là, mais sur d'autres, où la vision du futur entre en jeu. Donc on a déjà une quantité considérable de preuves. Et en fait, ce qu'il faut, c'est d'abord changer le système de croyance. Hein. Les preuves doivent arriver après. Une grosse erreur est de penser que pour changer un système de croyance, il faut d'abord avoir les preuves du nouveau. Parce qu'en fait, l'ancien système bloque les preuves du nouveau. Donc il faut déjà annoncer le nouveau, séduire avec le nouveau, se lancer dans le nouveau, et lorsque suffisamment de gens auront compris qu'il faut aller vers ça,
les preuves vont arriver toutes seules et seront reconnues. En fait, les preuves existent déjà, mais pour l'instant, elles ne sont pas reconnues par la science mainstream, mais parce que la science mainstream, elle est en panne. Vous avez bien vu comment l'institution scientifique a réagi aux mesures Covid, elle s'est couchée. Donc l'institution scientifique s'est couchée, toutes nos institutions se sont couchées, donc elles vont devoir se refaire. À cause de ça, elles vont perdre les meilleurs éléments. Et c'est dommage. Hein, la science va en pâtir. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, la science était mal barrée, puisqu'elle était progressivement récupérée par les multinationales pour aller vers quelque chose de très technique. Et on est rentré dans une technoscience. Cette technoscience va dans le mur. Il va falloir retrouver la vraie science. Ça va se faire, ça va se faire. Il y a de plus en plus... Il faut laisser le temps au temps. Toutes ces personnes qui vont refaire un nouveau monde vont acquérir petit à petit une crédibilité. Ça sera récupéré dans les laboratoires. Et le mouvement est en marche. Il faut avoir confiance. Quand on est relié à soi, on n'a pas de doute sur le fait qu'on va réussir. Moi, à moi tout seul, j'ai réussi à faire de grandes choses. Il suffit de croire en soi, on n'a pas besoin de croire dans les autres. Hein. Il suffit de croire en soi et ça suffit. On réussit à faire des choses extraordinaires. Le simple fait de se relier, ça vous donne une puissance considérable. Donc il faut retrouver cette foi en soi, qui va permettre de dégager l'énergie qui va faire des miracles et qui va changer la société en profondeur. Moi, je n'en doute absolument pas. Je ressens que c'est gagné. Pas moi, moi j'ai déjà gagné pour moi, mais je ressens que c'est gagné à un niveau collectif. On peut traverser effectivement et sentir cet élan en soi. Mais je le ressens parce que vous n'êtes pas les seuls. Partout où je vais, c'est un peu comme si les gens avaient déjà compris que ce que je disais allait dans le bon sens. Je comprends que ce ne soit pas évident. Bah, d'abord, il faut sortir du conditionnement qui nous empêche de la retrouver. Hein. Donc, prendre des vacances, aller dans la nature, changer de vie, et surtout se déconditionner. Le maître mot, c'est le déconditionnement. Faut les trois sources de conditionnement, le mental, donc il faut lâcher prise, l'émotionnel, retrouver la confiance, et l'ego. Il faut se débarrasser de toutes ces attaches. Donc il y en a qui vont aller faire le chemin de Compostelle, d'autres, enfin il y a mille et une façons de se retrouver. Et je suis pas un adepte du développement personnel, ni même transpersonnel. Donc là, bien d'autres, je n'ai pas trop de conseils à donner. Chacun a sa voie à trouver, il existe mille voies pour se réaliser, pour se retrouver soi-même. Mais dans tous les cas, ça revient à sortir du conditionnement. Je suis conscient de ne pas avoir parlé de tout ce que j'aurais voulu dire. J'aurais aimé parler de la théorie de l'univers cyclique, de la cosmologie. Bon, ça part sur des choses qui risquent d'être difficiles à comprendre. Donc c'est bien parce qu'on en est resté sur des choses que le commun des mortels peut appréhender facilement. J'aurais aimé sinon expliquer, mais je ne vais pas le faire. Hein. Pourquoi il est très rationnel de penser que ce qu'on appelle vibration, j'aime pas trop le mot, hein, mais il y a un spectre vibratoire qui appartient à notre conscience, cette conscience qui extraneuronale, qui peut se définir par un spectre vibratoire, capable d'adresser une destination. Tout ça, c'est fondé sur quelque chose de rationnel. Là, il s'agit, j'en ai pas parlé, j'ai pas remis en question la notion d'espace et de temps. Bon, il faudrait remettre en question la notion d'espace, identifier l'espace à la conscience, et on arriverait à comprendre de quoi je parle lorsque je parle de vibration. Je parle de vibration du vide, je parle de vibration du vide hors du temps. Dans mes travaux, j'ai démontré que des informations dans l'infinitésimale pouvaient avoir une influence considérable sur les trajectoires des boules dans un billard.
Donc on peut extrapoler ça à notre réalité et dire que la causalité, elle s'exprime à double sens parce que la causalité du présent n'est valable que pendant un certain temps. Après, il apparaît à multivers. Et donc, si le futur est déjà créé, ce n'est pas par la mécanique. Et donc, ce qui crée le futur, c'est autre chose. Et en l'occurrence, on peut faire des calculs pour démontrer que ce qui détermine le futur à terme, ce sont les vibrations du vide. D'où toute cette théorie qui peut avoir l'air parachutée, même avoir un côté New Age, alors que pas du tout, puisqu'il y a des arguments scientifiques tout à fait valables pour la rendre tout à fait rationnelle. On peut dire que l'intention est portée par la vibration. Parce que l'intention, c'est un peu comme un programme, si on veut. C'est un peu comme un archétype. Et c'est quelque chose qui peut être porté par une vibration. La musique, par exemple, un orchestre, c'est une vibration. D'accord ? La musique est portée par des fréquences. Et on a une conscience qui est capable de la décoder, sans passer par le cerveau. D'accord ? La musique, c'est quelque chose que la conscience peut appréhender sans avoir besoin d'un cerveau. Idem pour la vision. Ça, j'en ai pas parlé non plus, mais on peut... J'explique souvent que la vision n'est pas créée par le cerveau. Notre conscience de ce qui nous entoure n'est pas créée par notre cerveau. Notre cerveau sert à analyser l'information. Il ne sert pas à créer l'information visuelle. Voilà, tout ça, ce sont des aspects sur lesquels j'ai fait l'impasse. Il faut considérer le cerveau comme une antenne, comme un tableau de bord. Comme un tableau de bord. Ce n'est pas le cerveau qui crée la conscience. À l'intérieur du cerveau, il y a un pilote qui est la conscience. Le cerveau ne crée pas le pilote, pas plus que votre voiture ne crée son conducteur. L'espace n'existe pas en tant que tel. Il n'existe pas plus lorsqu'on est incarné que lorsqu'on est désincarné. Parce qu'il est créé par la conscience, parce que c'est la conscience, et donc l'espace subsiste en dehors du cerveau. Et donc il faut simplement s'imaginer la réalité de la même façon, mais avec d'autres propriétés. En dehors du cerveau, on ne va rien perdre en qualité de perception. Le réel pourra même apparaître comme étant beaucoup plus riche que la manière dont on le perçoit en situation incarnée. Parce qu'en situation incarnée, en fait, on perd de l'information. Quand vous êtes dans une voiture, vous voyez moins le paysage que lorsque vous êtes en dehors de votre voiture. Ça, c'est la situation de la conscience à l'intérieur du cerveau. C'est pas la situation naturelle. Donc, faut pas avoir peur de mourir parce que on croit que quand on meurt, on va perdre complètement conscience. C'est exactement le contraire. C'est ce qui explique les expériences de mort imminente. S'il n'y avait pas de modèle théorique, de modèle physique qui permettrait de le comprendre, on pourrait peut-être en douter. Mais aujourd'hui, on sait que, par exemple, l'information quantique se conserve, qu'elle est en dehors du temps. Et donc, si effectivement, on a des raisons de considérer que la conscience est l'information quantique, eh bien, ça y est, ça nous fournit une explication du fait que la conscience subsiste après la mort. Ça ne veut pas dire qu'on va conserver toutes nos prérogatives. On ne sera plus capable de réfléchir comme on le faisait. On ne sera plus capable d'analyser. Ça va être un mode de fonctionnement complètement différent. On va perdre la notion du temps. On va accéder directement à l'information. C'est grâce au cerveau que nous sommes tous la même conscience en train de créer la même réalité. Sans cerveau, on ne peut pas faire ça. Le cerveau a quand même une utilité fondamentale. C'est-à-dire que la notion d'incarnation dans un cerveau, elle va nous servir à créer collectivement la même réalité, chose qu'on ne peut pas faire en dehors du cerveau. Le sens de l'incarnation, c'est d'améliorer progressivement l'espace-temps, c'est-à-dire notre réalité collective, dans le sens d'un mieux vivre, de manière à ce que... Rejouer, par exemple...
le XXe siècle s'il y a besoin, hein, aussi longtemps qu'on pense qu'on peut l'améliorer. Je ne sais pas. Enfin, il y a deux sens à l'incarnation, c'est l'apprentissage et la mission. La mission, c'est l'idée de changer la destinée de ce qui a été vécu auparavant. Et l'apprentissage, c'est de profiter du voyage. C'est-à-dire qu'il y a quand même un intérêt à vivre de manière incarnée pour vivre des expériences amusantes, enthousiasmantes, etc. Hein, donc on peut aussi vivre des expériences où l'on souffre, mais ça c'est peut-être aussi parce qu'il y a un intérêt à vivre ça de manière à corriger une mauvaise direction prise par l'âme. Donc on peut arriver à comprendre le sens de l'incarnation de multiples façons, que ce soit vers le plaisir ou pour comprendre certaines souffrances. On a toujours besoin de progresser, et de toute façon, il suffit d'une seule vie pour comprendre quel est l'intérêt de, par exemple, traverser des épreuves. Avant de traverser une épreuve, l'âme n'est pas à même de choisir cette épreuve. Il est nécessaire pour elle de ne pas savoir qu'elle va la traverser. Après l'avoir traversée, l'âme comprend qu'il était utile et même fondamental d'avoir traversé cette épreuve. Donc si l'âme est capable de comprendre après une épreuve pourquoi il était nécessaire pour elle de la traverser, ben, ça justifie l'épreuve. Et en plus, ça justifie le fait que notre futur nous soit voilé. Oh ben, j'en ai un paquet. Hein. Je vais devenir un magicien. On va commencer par mettre en route Synapse, faire qu'au niveau collectif, ça crée quelque chose qui fasse tache d'huile. Il s'agit juste de faire exemple. Hein. Il pourrait y avoir d'autres Synapse, d'autres outils dans ce genre. Et puis, je vais continuer d'étoffer ce modèle rationnel. Puisque moi, le but de mes travaux, quand même, il se dessine depuis 15 ans hein, de la même manière. C'est pas de démontrer l'existence de l'âme, de montrer l'existence de l'âme, de la rendre évidente. Donc ça, c'est mon objectif principal, c'est de rendre absolument évidente l'existence de l'âme, parce qu'à ce moment-là, on pourra massivement aller vers un monde où on va relativiser l'ego, parce que c'est l'ego qui nous emmène à chaque fois, qui fait qu'il y a des conflits, qui fait qu'on n'arrive pas à construire le nouveau, parce qu'on répète sans arrêt les mêmes histoires qui nous relient qui répètent sans arrêt le même passé et qui font qu'on est toujours en échec. Mais là, on a la chance d'être à une époque où on a appris tellement de choses sur la conscience et sur les pouvoirs insoupçonnés de la conscience, tous les pouvoirs extraordinaires de la conscience, que je vois mal comment on pourrait ne pas y aller. Donc je suis très optimiste. Il y a beaucoup de facteurs convergents qui nous amènent irrémédiablement, à mon avis, vers ce nouveau futur. Alors ça ne va pas se faire en quelques années, mais on va en quelques années voir que... Enfin, moi, je vois déjà qu'on y va. Hein, mais en quelques années, on va voir massivement qu'on y va. Et en quelques décennies, on y sera vraiment allé. Enfin, moi, je vois les choses comme ça.